en plein préparatif là, Philippe? Oui, c'est en plein préparatif. Là, on présente un peu le travail des enfants, parce qu'on fait aussi l'art plastique avec... Bon, c'est pas l'art plastique, hein, on... Donc, on s'aventure un peu là-dedans. D'accord. Donc, ça aussi, ça fait partie de contes qu'ils ont écrits. D'accord. Donc, il y a les images qui représentent les éléments de ce conte-là. D'accord. Voilà. Donc là, tu nous le disais ce matin, et je vais peut-être le répéter un petit peu par rapport aux web spectateurs. Donc, c'est un conte qui a été écrit par les enfants. Un conte qui a été écrit par les enfants. Et qui raconte l'histoire de la pierre et de l'eau. La pierre et de l'eau. D'accord. Voilà, tu as vu, j'ai bien retenu la leçon. Hein. Oui. Donc ils se sont rentrés en dispute, sans savoir pourquoi. Ouais. Et après, bon, c'était la gangrène, tout le monde a commencé à prendre parti de l'un de l'autre et puis à la dispute générale. Avant d'éviter la dispute totale, il y a un sage qui demande d'aller voir l'arbre 3 en question. Et ce n'est que lui qui peut trancher. Qui peut trancher cette affaire. D'accord. Voilà. Génial. Bon, on te laisse bosser, hein, parce que. Oui. Ce sont les mêmes qui bossent, hein. Ouais. On y va.